Bonjour et bienvenue dans Agir pour l'environnement, votre magazine entièrement consacré à l'environnement. Et c'est le seul de l'océan Indien qui est consacré entièrement à l'environnement et en plus à l'environnement de Mayotte. On est dans la cinquième saison d'Agir pour l'environnement que l'on consacre à la problématique de l'eau et au thème environnemental de l'eau. Hein. Vous allez voir dans toutes les émissions, on va aborder différents sujets et aujourd'hui, plus particulièrement, on va parler du dispositif mis en place par l'État pour nous permettre de ne pas manquer d'eau, puisqu'effectivement, on est à subir des tours d'eau qui sont compliqués et les pluies ne sont pas encore arrivées. On a sur le plateau deux invités de marque pour en parler. Je vous dis ça dans une minute. Le préfet Cantal est avec nous. Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, Anne-Constance. Et nous avons aussi la chance d'avoir le commandant Luc sur le plateau. Bonjour, mon commandant. Bonjour, Anne-Constance. Alors, vous, tout le monde vous connaît, monsieur le préfet. Mon commandant, on ne vous connaît pas encore bien. Alors, je vais rappeler qui vous êtes. Vous êtes le chef du détachement du traitement de l'eau, des formations militaires, de la sécurité civile. Et c'est vous qui œuvrez pour, avec vos équipes, évidemment, potabiliser notamment l'eau des rivières et toutes ces techniques. Vous les utilisez en règle générale à l'international au moment des crises et plus particulièrement cette année, vous mettez toutes vos compétences à notre disposition. Tout à fait. Donc, c'est un module de traitement de l'eau pour produire donc, de l'eau potable qui est configuré pour pouvoir être aérotransportable, pour pouvoir intervenir dans le monde entier. Nous sommes intervenus notamment à Haïti, le Tchad, Indonésie, voilà, Madagascar, mais également pour venir, pour intervenir donc en France, donc en métropole. Vous l'avez fait il n'y a pas très longtemps. Voilà, dans la vallée de la Vésubie en 2020, donc où nous avons produit de l'eau potable au profit de la population qui était sinistrée. Et je rappelle qu'entre autres, vous produisez ces petits sachets de 33 centilitres d'eau potable qui sont désormais distribués dans les écoles du département aux élèves pour qu'ils puissent disposer d'eau potable durant la journée. Vous faites ça maintenant depuis quelques jours. Tout à fait, Anne-Constance. Donc, ça fait partie donc, des dispositifs qui nous permettent de pouvoir amener cette eau donc, que nous avons produite, que nous avons potabilisée, jusqu'à la population. Voilà, et ça permet effectivement aux écoles d'avoir de l'eau potable toute la journée. Monsieur le préfet, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien on consomme et combien il faudrait consommer parce que même si on fait tous des efforts, on est encore trop haut. Oui, on est encore trop haut. Il faudrait aujourd'hui que l'on parvienne à consommer 22 000 m3 par jour. Nous sommes, malgré les efforts de tous, toujours à 28 000 m3, avec évidemment une diminution considérable. Oui, entre 42 000 et 28 000, c'est beaucoup. Entre 42 000 et 28 000, c'est considérable. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de litres économisés depuis le mois de janvier. Centaines de millions de litres même économisés depuis le mois de janvier. Mais malgré tout, la situation de la ressource en eau reste extrêmement préoccupante. Et c'est la raison de nos efforts hein, que l'on a déjà pu évoquer avec vous régulièrement et que l'on évoque avec l'ensemble de nos partenaires, notamment les élus, à l'occasion de nos réunions de travail et encore tout à fait récemment à l'occasion de la venue du ministre Philippe Vigier. Alors, monsieur le préfet, on consomme entre 27 et 28 000 mètres cubes chaque semaine d'eau que l'on prélève dans la retenue collinaire. Il faudrait, si j'ai bien compris, réduire encore de moitié la consommation dans la retenue collinaire. Mais l'eau que l'on a au robinet, quand on en a, elle vient de où ? De la retenue collinaire, mais pas que. Elle vient de la retenue collinaire, mais elle vient aussi d'autres sources de production, telles que, par exemple, l'usine de dessalement. De petites terres, pardonnez-moi, c'est une erreur. C'est parce que vous travaillez sur le dossier de l'usine de grandes terres. Merci. Qui vous crée peut-être plus de soucis aujourd'hui. Merci de me rattraper. Nous travaillons d'ailleurs sur l'usine de petites terres pour que sa production soit portée dès le mois de novembre de 3500 m3 à 4700 m3, ce qui est la production attendue.
hein, dans le, dans le, dans, dans les contrats. Dans les contrats, dans le dispositif technique qui avait été mis en place. Et cette nouvelle production sera, grâce à des travaux d'interconnexion d'ailleurs qui interviennent, qui sont en cours, entre Grande Terre et Petite Terre, dans l'amélioration de la distribution, hein, de la ressource. Ces 1300 mètres cubes supplémentaires seront reversés vers la Grande Terre et en particulier vers le sud. C'est un des premiers éléments. Les travaux sur la finalisation de la production de l'usine de dessalement de Petite Terre est un des éléments clés, essentiels, des travaux d'urgence que nous avons lancés depuis quelques mois avec nos partenaires dans le cadre d'un programme d'investissement exceptionnel de 35 millions d'euros. Alors, il y a donc l'eau que l'on a au robinet, elle vient de la retenue collinaire, elle vient du dessalement, mais pas que, elle vient aussi des captages et des forages. Oui, elle vient de la ressource souterraine également. Hein. C'est la raison pour laquelle, toujours dans ce contexte d'amélioration de la production, dans la période qui est la nôtre, d'ici la fin de l'année, on a accéléré les travaux de forage notamment, ont été accélérés tout à fait récemment. Nous avons pu nous en rendre compte encore une fois la semaine dernière avec l'ensemble des partenaires à l'occasion de la visite du ministre. Deux forages sont actuellement en cours à Coconi et à Mandrélé. Les forages ont été réalisés, et nous sommes en analyse de la qualité des eaux. Pour analyse que la directrice générale de l'eau, qui était présente avec nous sur nos récents déplacements, s'est engagée à obtenir le plus rapidement possible pour là aussi apporter une augmentation de la production que je ne peux pas chiffrer, hein, puisque les forages sont réalisés, on ne sait pas encore quelle sera la production, mais on peut espérer quelques centaines de mètres cubes sur ces deux forages. Pour chacun des forages. Entendu que ces deux forages complètent une sixième campagne de forage qui est également lancée et qui va porter sur une dizaine d'emplacements, hein, bien sûr, sur les nappes phréatiques pour voir un petit peu comment récupérer de l'eau également, sans oublier de parler de travaux qui sont également lancés, financés sur la rivière Souloup, de façon là aussi à pouvoir capter le maximum d'eau en préservant la ressource comme il se doit, mais à mener cette eau dans le réseau d'eau potable. Ce qui veut dire, monsieur le préfet, que même s'il faut éviter, si les retenues collinaires étaient vidangées, ce qui n'est pas une bonne idée, mais si d'aventure ça devait arriver, il y aura quand même toujours un petit peu d'eau chaque jour pour les usagers. Chaque jour? Peut-être pas, oui. Parce que dès aujourd'hui, il n'y a pas d'eau à une constance tous les jours, ce qui est difficile à vivre pour Mayotte. Mais il y aura toujours un minimum d'eau. Et le travail que les expertises qui sont réalisées actuellement portent sans doute sur une réflexion sur l'évolution des tours d'eau, mais de façon à préserver l'accès à l'eau potable pour tous, dans les conditions peut-être minimum, mais tout de même nécessaires. Donc, hein, ce qui voudrait dire que là, on a encore les tours d'eau à 2 jours. Oui. On pourrait avoir prochainement 3 jours, puis 4 jours de coupure et une remise en eau de 24 ou moins peut-être. Écoutez, encore. Ces dispositifs sont en cours de réflexion. Je vous l'ai dit, il faut assurer un minimum d'eau potable, d'heures de livraison d'eau potable à la population, aux entreprises, hein, qu'on a réussi à préserver jusqu'à présent, en limitant les tours d'eau pour les entreprises, notamment à Kawini, sur des périodes nocturnes. Tout cela est vraiment à l'étude. Je ne peux pas aujourd'hui dire quelles seront les mesures retenues complémentaires. Alors, autre question, et c'est un sujet que le ministre a abordé quand il est venu, et ça a été pour nous tous, une énorme révélation, hein, c'est le volume des fuites, puisque visiblement, à chaque fois que l'on boit un verre d'eau, c'est comme si, qu'on a pris au robinet, c'est comme si un tiers de ce verre d'eau, en parallèle du moment où on le servait, partait dans la nature. Ce qui est 35% de fuite, monsieur le préfet, c'est énormissime. Un chiffre simple, madame Anne-Constance, pardon. La production doit être en temps normal de 42 000 mètres cubes, hein, pour répondre à la consommation, aux besoins en consommation de Mayotte.
Sur ces 42 000 m3, on perd, les fuites correspondent à 15 000 m3 par jour. Vous vous rendez compte ? 15 000 m3 par jour. Quand on en consomme 28, c'est considérable, et qu'on doit arriver à 22. C'est complètement considérable. Et comment on peut faire, monsieur le préfet ? C'est lié, si vous voulez, les causes sont connues. Hein, c'est la vétusté du réseau, hein, sans doute un entretien insuffisant, sans doute des expertises qui ont été réalisées, mais qui n'ont peut-être pas été suivies des travaux nécessaires, et sur lesquels le syndicat des eaux, aujourd'hui, travaille avec... beaucoup d'attention en lançant les travaux avec des entreprises qui sont maintenant désignées. Nous sommes à l'occasion de visites ministérielles, encore une fois, et chaque semaine, tout le monde va sur le terrain pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux sur les fuites, hein, de façon à pouvoir, dès octobre ou novembre, réinjecter, là aussi, à la suite des travaux de confortation du réseau, en particulier sur le Grand Mamoudzou, pouvoir réinjecter dans le réseau les mètres cubes récupérés. Bien sûr. On ne va pas retrouver demain matin 15 000 mètres cubes. Mais vous avez compris, avec les forages, avec les travaux sur la rivière de Soulou, avec l'usine de dessalement, avec le travail sur les fuites considérables, on a, le syndicat des eaux a accentué le nombre d'équipes qui travaillent sur tout cela. On va augmenter la ressource en eau de façon à tenir le plus longtemps possible et aussi à préparer l'avenir. Hein, parce que nous sommes aussi en réflexion sur l'avenir, tous ensemble. Alors moi, il y a une question que je me pose et qui est peut-être un peu impertinente et veuillez m'en excuser. En 2021, vous n'étiez pas à Mayotte, mais moi je l'étais, vous aussi, vous l'étiez. Et en 2021, il y a déjà eu une sécheresse et il y avait déjà des campagnes pour réparer les fuites. On avait même un joli bulletin conso sur lequel il était noté le nombre de fuites réparées chaque semaine. Pourquoi on en est toujours au même point, voire même pire ? Ça n'a sans doute pas été suffisant, hein. Le bulletin conso, d'ailleurs, qu'on réactualise, oui. je me permets d'indiquer oui. sa diffusion, si vous le permettez. Toutes les semaines. Hein, c'est un élément d'information intéressant, je crois, qui est tout à fait objectif sur la situation. Moi, je tiens beaucoup, le préfet Suquet a vraiment souhaité qu'on le réactive dans les meilleures conditions. Il y a sans doute eu des réparations, il y en a au quotidien des réparations sur le réseau. Hein. On nous signale les fuites à droite, à gauche, qui contraignent la distribution d'eau. Ou qu'il l'arrête totalement, mais ça ne suffit pas. Hein. Il faut absolument, c'est absolument nécessaire d'engager une campagne de travaux suivie en mode projet pour en sortir. Mais ça veut dire, monsieur le préfet, parce que les tuyaux sont enterrés, ça veut dire qu'on va démonter toutes les routes pour aller fouiller la terre et boucher les trous des tuyaux ? Les travaux peuvent être quelquefois considérables. Et ça va être fait ? Et nous le ferons. Nous le ferons. Il faut le faire. Il faut faire avec des moyens techniques appropriés, bien entendu. Hein. Oui. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de gênes apportés au déplacement à Mayotte, on le constate tous les jours, pour essayer de mettre en place avec les services concernés une réflexion, hein, et les communes notamment, et le département et l'ensemble de nos partenaires, mettre en place un système, un programme de travaux adapté. Par contre, aujourd'hui, nous travaillons dans l'urgence. Hein. Donc, quel que soit le lieu, si une fuite importante est identifiée, les travaux seront réalisés. Monsieur le préfet, on parle beaucoup, et ça discute beaucoup, on en parle beaucoup, l'usine de dessalement. Oui. Quand Philippe Vigier est venu, il y a quelques semaines, c'était finalement deux usines de dessalement. Alors, où en est-on globalement de ces projets ? Oui, alors un projet essentiel, financé dans le cadre des contrats de projet, des contrats de plan, celui d'Irony B. Mm-hmm. Le projet d'Irony B, c'est dès la fin de 2024, et non pas fin 2026, la livraison de 10 000 m3 d'eau potable. Par jour. Par jour. Mais on est, pardonnez-moi, on est déjà à l'automne 2023, on se rapproche de la saison des pluies et on n'a encore vu aucune pelleteuse en train de tout retourner pour construire cette unité. Donc, on est inquiet. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Les services de la DEAL, hein, que les Mahorais connaissent bien, les services de l'EMA, en lien avec l'ensemble des ministères concernés, avec le soutien d'équipes d'ingénierie,
hein, qui sont en renfort, qui viennent en renfort, qui sont déjà en renfort hein, du syndicat des eaux et des équipes placées auprès de M. Josserand, interviennent d'ores et déjà et ont pu lancer la consultation des entreprises. Hein, la consultation des entreprises, qui va très loin d'ailleurs, puisque les dispositifs mis en place nous permettront d'avoir une visibilité complète de l'opération jusqu'aux opérations de suivi de la consommation, de maintenance et toutes ces questions qui peuvent se poser. Donc, c'est un projet de conception-réalisation. C'est un projet de conception-réalisation, absolument, sur lequel les services de l'État sont installés en mode projet avec le syndicat des eaux, en lien, je vous l'ai dit, avec les ministères concernés, avec le ministère des Outre-mer, évidemment, et de façon à tenir ce programme et gagner les 2 années dont je parlais tout à l'heure hein, pour amener un quart de production, un quart du besoin de la production journalière à l'île de Mayotte. Ce qui veut dire que si on est en consultation des entreprises, on peut espérer voir les pelleteuses commencer à creuser à partir de quand ? À partir de l'été, sans doute. Hein, les premiers travaux devraient intervenir dans les quelques mois qui sont devant nous. Et ça sera suffisant pour que ça produise ? Il le faudra. D'accord. Il le faudra. Hein, on a des engagements sur cette unité de production. Tout sera fait pour y parvenir. 10 000 mètres cubes, ce sera sa capacité maximum ou c'est une première tranche avant d'autres travaux qui permettront peut-être d'augmenter à 20 000 ou autre. Oui, la capacité maximum d'Ironie Bay est fixée entre 16 000 et 20 000 mètres cubes. D'accord, donc ça pourrait doubler. À terme, oui, absolument. Si vous voulez, on parlait de la préservation de la ressource. La ressource, pour le moment, elle est constituée de l'eau de pluie. On est d'accord. Bien, à part l'unité de dessalement de Petite Terre. Donc, il faut accentuer la recherche dans le monde dans lequel nous vivons, dans les conditions environnementales qui règnent autour de Mayotte et sur Mayotte, et des conditions climatiques, il faut rechercher autre chose. Donc, c'est un des aspects essentiels. L'utilisation d'eau de mer est un des aspects essentiels pour les années à venir, pour apporter de la ressource. C'est d'ailleurs pour cela que le deuxième projet dont vous parliez, celui de Sangha Beach, est aussi en cours d'étude. C'est un site qui avait été expertisé comme un site de qualité en matière de ressources, en qualité de l'eau de mer, parce que là aussi, on ne peut pas, pour avoir une filtration de bonne qualité, pour faire en sorte que l'eau produite soit potable, dans de bonnes conditions, économiquement aussi et financièrement, parce que tout cela a un coût. Le site de Sangha Beach est un site adapté à l'implantation d'une potabilisation, d'une usine de potabilisation. Alors, il était envisagé de mettre un osmoseur de faible capacité, 1000 mètres cubes, rapidement, en urgence, pour alimenter le réseau. Et les études actuelles nous conduisent à envisager, là aussi, la réalisation d'une unité plus importante. De dessalement. De dessalement qui couvrirait les besoins du sud, en quelque sorte. D'accord. Donc là encore 10 000 mètres cubes et potentiellement un 10 000 mètres cubes qui pourrait augmenter. En termes de mètres cubes, je ne peux pas vous dire quelle sera la définition retenue. Hein, on est entre 5 000 et 10 000 mètres cubes, probablement. Hein, mais en tout cas, les études continuent sur ce site également. Fait l'objet de financements. Vous connaissez toute l'opération. Monsieur le préfet, autre sujet important, la troisième retenue collinaire, ouais. Parce qu'il faut parler des différentes sources d'approvisionnement. Ouais. Alors, évidemment, là encore, ça fait 20 ans qu'on en parle de la troisième retenue collinaire, un peu l'arlésienne. Est-ce qu'on va la voir vraiment un jour ? Mais là aussi, il faut être très clair. Le ministre a rappelé l'utilité de cette troisième retenue collinaire. Elle sera faite. Alors, il y a aujourd'hui des négociations foncières qui sont menées. Il y a des projets de déclaration d'utilité publique. Un tel équipement ne se réalise pas sans la mise en place d'un arsenal juridique évident. Tout cela prend du temps. Mais la troisième retenue collinaire sera réalisée. Où en est-on de l'achat des terrains et de la maîtrise du foncier ? Parce que jusqu'à présent, il a semblé que c'était ça qui bloquait. Est-ce que les négociations avec les familles propriétaires sont achevées avec un protocole de transaction signé ? Le directeur général du syndicat des eaux a pu expliquer
il y a quelques jours, qu'il était en négociation avec les familles. Donc c'est en cours. C'est en cours. C'est pas encore totalement, c'est pas encore totalement terminé. Est-ce que, monsieur le préfet, vous pouvez nous rappeler combien d'argent l'État met sur la table pour gérer cette crise de l'eau, parce que c'est quand même considérable. Merci de me poser cette question. Dans le cadre des travaux d'urgence que nous avons indiqués, amélioration de la ressource, augmentation du nombre de mètres cubes produits et meilleure distribution de et la ressource fuites. Entre le nord et le sud. Hein, j'ai omis d'évoquer tout à l'heure l'important travail qui se fait sur le réseau, sur SR2, on appelle ça la conduite SR2, qui doit amener 2500 mètres cubes dans le sud, mieux répartis par prélèvement sur le nord, dès que l'on pourra. C'est 35 millions d'euros. Et ça inclut le travail sur les fuites. Ça inclut le travail sur les fuites. C'est 35 millions. 35 millions d'euros qui sont dépensés là. Qui sont engagés, qui sont maintenant utilisés pour le financement des travaux réalisés par les entreprises. Les marchés sont signés, tout est en place. Si je vous indique que la ressource va augmenter à partir du mois de novembre, il faut bien que les travaux commencent à être réalisés, parce que nous sommes le 2 octobre tout de même, y compris sur les fuites dont on espère avoir les premiers résultats courant octobre. Ça, c'est sur les travaux d'urgence. Et puis, il y a 350 millions dans le cadre de la programmation pluriannuelle d'investissement, qui seront dont l'usine d'Ironie B, qui, je crois, est évaluée à 30, 40 millions d'euros aujourd'hui. Voilà, sur cette programmation pluriannuelle qui va nous permettre, là aussi, de consolider la ressource en eau de Mayotte et surtout sortir des tours d'eau. Et ce sera ma dernière question parce que le temps tourne et il faudrait que vous me répondiez hyper rapidement. J'en suis peut-être pas capable. Aussi. 38 000 mètres cubes de capacité de production d'eau potable, 42 000 mètres cubes de crête, de conso. Dans tous ces investissements, qu'est-ce qui va permettre de potabiliser davantage? Alors, peut-être que le dessalement ne passe pas par les stations de potabilisation. Le dessalement va vous permettre de le dessalement. Voilà, voyez que c'est bon. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci, monsieur le préfet. Merci, mon commandant. Merci à vous. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Agir pour l'environnement. À très vite.